Et lui les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog itisand3.fr. On se retrouve ici, sur une nouvelle vidéo de Kingdom Hearts, une nouvelle rediffusion sur Kingdom Hearts Final Mix sur PlayStation 4, donc la version HD, Remix, machin chose. Un jeu qui était prêté par Celt, ici présente. Oui, je suis là. Et c'est donc sur PS4, console qui m'a aussi été offerte par Celt. Merci à toi. Bah de rien. Elle commence à avoir le bol. S'il te plaît, arrête. Je suis trop crevé, j'en peux plus, laisse-moi tranquille. Vaisseau, on s'en va. Ça va un poil mieux que tout à l'heure en début de vie. Tu veux être en pleine forme d'ici la fin de la soirée. Ensuite, dans le Colosseum, il me semble qu'il y en avait un vert. Au Colisée, oui, il y en a un. Alors, on y retourne. Je sais pas si ça vaut le coup d'essayer d'affronter les autres bestioles. Bah, je crois pas qu'il y ait encore une nouvelle coupe qui se soit débloquée. Encore. Je crois pas. Bon, pas la peine de regarder, on va le savoir en 2 secondes. Ok, Kyo. Alors, je vais dire ça tout de suite. Non, c'est pas encore débloqué, ça n'affiche rien. Ah. Regarde. Et la marque verte, elle est... Là, elle est à gauche, ici. C'est ça. Dimitri. Tout ça pour Dimitri, et maintenant on s'en va. Au revoir. On a été ravis de vous rencontrer. Maintenant, est-ce qu'il y a des marques vertes dans le monde de Tarzan? Il y en a, ouais. Ah mince, j'ai mis normal. Il y en a une. Oh, tout ça pour ça. Mais je crois qu'on peut faire les courses, du coup. Oui, exact. Donc, on va profiter de ce passage-là pour faire les courses. Et elle est à la cime des arbres. Il y a trois, non? Il n'y en a qu'une marque... Ah non, les courses, il y en a plusieurs, oui. Ah, pour par la contre, la marque verte, elle est à la cime des arbres, au milieu. Regardez pas l'écran. Faut regarder l'écran. Surtout quand on joue. Non. Il faut sûrement détruire, mais faut s'y prendre plus tôt. Non, mon étoile. Fallait remonter un peu. T'as l'étoile de descendre, je suis désolé. Ah, tu l'as eu. Le mec qui se prend tout, qui calcule rien, quoi. Monte. Bah ouais, mais comme les commandes sont... Ah non, elles sont pas inversées. Si, quand je vais vers le haut, ça va vers le bas. Ça veut dire quoi, ça? De passage. Comment c'est pas où est notre vaisseau, c'est la mouise. Je me serais quasiment tout... Pourquoi Graba? Je sais pas, t'es allé à Graba. C'est de l'arnaque. T'as dû choisir à Graba. Ça a dû se décaler de peu quand j'ai choisi. Total. Il joue les yeux bandés. De quoi? Attendez, est-ce que vous m'avez vu me tromper, c'est ça? À doubler, tu peux la planquer en cacahuète. J'ai même pas de cacahuète. Atlantica du... J'ai quand même aimé, j'imagine. Moi, j'ai quand même... T'as quand même préféré Atlantica du 2 que celui du 1. Désolé, je commence à fatiguer, j'articule de plus en plus mal. À cause des combats dans ce dernier... Chacun son avis, par contre, adorer le royaume du 2. Oui, c'est l'esclavagisme. Bon, et si tu partages jamais les bonnes choses, méchant. Comment il me parle? Ouais. Arbre queue, jungle d'alien du sud, alors on va là-bas. Faut que tu ailles à la cime des arbres. Mais. M'excuserai, mais hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein.
Tu es si fort et si fragile. Viens dans mes bras, je te ferai une île. Ce lien qui nous lie ne cassera pas. Que je fasse pas 50 fois la même erreur en partant du mauvais côté, n'est-ce pas? Une fois, tu l'as pas fait? Oui, justement, c'est bien ce que je dis. Non, mais sinon, tu peux lâcher la même, mon mec. C'est si, c'est ça. Vous êtes arrivé à destination. Bienvenue. Il faut aller à la cime des arbres. C'est qui le truc, ça? Ok, on la sent la différence de puissance maintenant. Cette violence. Plein de trucs, il faudra que je vérifie après. Ils vont mettre combien là? Si on me met à l'infini, je sens que je vais m'endormir devant. Il n'y en a pas à l'infini. Normalement, il n'y en a pas à l'infini. C'est bien pour ça que je les tape, ça me fait faire du level up de mon point de vue. Ça pourquoi? J'ai l'impression qu'il réapparaît toujours au même endroit. En fait, c'est le mode level up. Ça doit être ça. Pire, tu peux partir. Non! Je suis têtu. Ah, non, c'est pas fini. J'y ai pourtant cru jusqu'au bout, mais non. C'est soporifique, là. Eh ben, va-t'en. Pourquoi ils ont mis autant de monde? Je me demande comment ils ont fait pour se dire à la base. Oh, mais c'est une bonne idée, hein, comme ce qu'on fait. Lui qui tapait dans l'arbre. C'est moi. Ouais, tu te laisses tranquille, toi. Et nous voilà arrivés à la cime des arbres. Alors, où est-il ce petit point vert? Au milieu. Ça se voit à peine, mais... Faut le vouloir pour le croire. Non. Faut ouvrir les yeux pour le voir. Ah oui, effectivement, on le voit. Bravo, vous avez gagné des tonnes de points de vie. Que vous en montiez, et ils sont lui. On t'a gagné un objet. Ouais, mais je sais pas lequel c'est. J'ai pas vu. T'as gagné un bout de mithril. Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Du verre sur du verre. Oui, c'est une très bonne idée, n'est-ce pas?
Quoi, c'est dernier fruit? Ouais! Et voilà, il est surdoué. Et. On a oublié d'aller donner la lampe à la bonne fée. On n'a pas encore le génie. À travers. Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas allé voir la bonne fée quand on était à travers, effectivement. Maintenant que tu le dis. Je pensais plus du tout, moi. Et je pense qu'on va arrêter sous peu parce que. On réfléchit de moins en moins bien. Ouais. Niveau plus pour Dingo, attaque supplémentaire. Ouais. Moi, je sais qu'en fait, je fais des trucs, mais je suis en mode pilote automatique à peu de choses près. Hein. Où est-ce que je pourrais aller ensuite? Dans la tente, il y a une sauvegarde. Il n'y avait qu'un seul point vert. Non, mais j'aurais bien aimé trouver les autres. Comment on appelle ça, les autres courses? Non mais au pire t'embête pas, je vais remonter et on verra ça quand on sera de retour pour faire d'autres icônes. Mmh. Ok. Il reste Monstro, Atlantica, la ville d'Halloween, le pays imaginaire. Alors on a un trou cosmique ici. On a fait plus de la moitié du jeu. On a déjà fait plus de la moitié du jeu? Ouais. Alors il y a beaucoup d'étoiles ici. Est-ce qu'il y en a plus ici? Non. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la logique serait de commencer par celui-ci. Ouais, qui correspond à Monstro. Moins que tu veuilles directement aller Parce que ça veut pas lancer le voyage sinon. Ah mais tu voulais pas faire récupérer le génie? On a même pas utilisé Simba là, de la première partie. Ouais, allez récupérer le génie quand même. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les hommes? La fée bonne. Quelle idée! Va aller dans la chambre du mage. Ça ira plus vite, ouais. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu le trailer de Mary Poppins, ça m'a fait bizarre. Ah ouais? Il y a un nouveau film Mary Poppins qui sort là. Et ils ont fait le trailer et ça. Ça fait bizarre. Je suis très inquiète. Dans le sens positif du terme. Encore? Bah zut. Ah oui, Winnie le Pooh peut-être avant. Non. Peut-être. Il semblait qu'il fallait aller lui donner, mais peut-être qu'on l'a directement, on l'invoque. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, qu'avons-nous débloqué? Nous avons débloqué... Une page déchirée. Des abeilles volent autour de cet arbre. Regardez de plus près, oui. Porciné. Ouais. Quand j'étais petite, j'avais jamais compris que c'était des pluches. Pooh, where are you? It's me, Piglet. Je crois qu'on lui a fait peur. I'm here to find you. Winnie l'ourson te fout la trouille, ah bon? Il y a un film Winnie l'ourson qui a été annoncé aussi. Oh, you see, I have something for him.
I have to take it to Pooh right away. Oh, il arrive. Comme par hasard, il arrive pile au moment. Ça sent le miel. I smell a delicious something. A something like honey. Tu m'étonnes, Isa. Il fait peur, le Winnie the Pooh, dans le film qu'ils ont annoncé là. Je l'ai pas vu. Ça fait vraiment très vieille peluche. Ah ouais? I thought you'd gone away. I brought what you asked for. Thank you, Piglet. Now I can finally have some honey. Really? But how? I shall hold on to the balloon and fly like a bee up the honey tree, see? But if you take their honey, won't the bees be angry? Oh. Il est trop gourmand. Faut que tu aides Winnie. Si seulement tu pouvais chasser ces abeilles. Je suis sûre que je pourrais trouver un peu de miel. Veux-tu m'aider à chercher du miel? Non, désormais tu seras végane. Hein, c'est la loi des jeux vidéo de nos jours. Non, il faut respecter les choses. Hein, donc tu seras aussi transgenre aussi. Voilà. Non. Aider Winnie à trouver du miel, oui, pourquoi pas. Oh, bonjour, maître Hibou. Bonjour, Winnie, que fais-tu? Un ballon pour attraper du miel, excellente idée. C'est pas du tout la voix du hibou, mais bon. Permets-moi de te donner quelques indications. Tu chieras des fruits. Maintenant, avec son ballon, Winnie peut monter le long du tronc. Le miel se trouve dans les creux de l'arbre, pas dans les ruches que tu vois là. Il y a beaucoup de miel dans ces creux d'arbre. Si Winnie s'approche trop, les abeilles s'en tireront pour défendre le miel. Si les abeilles atteignent Winnie, elles crèveront son ballon, tu dois les éloigner. Si Winnie reste longtemps devant chaque creux, il mangera plus de miel. Il y a beaucoup de miel en haut de l'arbre. Si sauter de branche en branche s'avère difficile, utilise la commande rejoindre. La commande rejoindre permet de rattraper Winnie. Mais attention, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Bonne chance. Déglisse pervers. Oui, mon petit tartine. Nous allons jouer ensemble, tous les deux. Elle s'arrive. Celle qui se stresse. Non, je me stresse pas. Attention, elle arrive. Attention, elles arrivent. Celt, alarme pour abeilles. Attention, elles arrivent. Mais elles sont de plus en plus rapides en plus, celles-ci. Wouh! Elle est là. Les triangles pour rejoindre, si. D'accord, il remonte ralenti quand même. Hein. Donc plus il sera haut, plus je prendrai des risques. Ouais. Non, mais oui, en fait, c'est encore un jeu de plateforme. Les mecs, ils se sont pas dit une seule seconde que ça allait passer. Attention, elle arrive. Fais rejoindre, non? Bah, j'aimerais bien. Triangle, c'est pour rejoindre. T'avais pas vu? Bah si, mais il faut qu'il monte petit à petit en fait. Ah. Je n'avais pas vu. Ah mince, il rejoint, il remonte. Je sais à combien on est censé arriver, mais... Bah autant que possible. Attention, elle arrive. Ah.
Sérieux? 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 Saleté! Voilà. Je sais pas combien il faut aller, mais bon. Bah, faut aller jusqu'à la fin du temps, attention. Non mais, hé, punaise, ça me gonfle. Mais, tape dessus. Pff, et la caméra qui veut pas se remettre. C'est à croire que jamais ils se sont dit que c'était une horreur comme jeu de plateforme, leur truc. En fait, c'est très très agaçant comme élément parce que du coup, comme je vous dis, c'est quelque chose qui est récurrent dans le jeu. Attention. Les problèmes de déplacement, de saut, de déplacement, de caméra, c'est très très récurrent. Et du coup, ça m'agace tellement qu'ils aient pas fait plus d'efforts pour ça que voilà, moi frustré. Moi frustré jusqu'au bout. Toi, mon toi. À quel point tu mets les autres en danger, les énerver, c'est ouais. Ça aussi? C'est un danger public. C'est un drogué du miel. La page oui, ça déchirée... existe ce livre. La page déchirée s'est changée en un autre objet. L'orbe de la nature. Je crois que c'est Bambi. On l'a déjà visité. Je crois qu'on a tout vu, donc on peut repartir. Je vais pouvoir être tranquille quelques minutes. Salut AGF. Bon, non, allons parler à la vieille. Je comprends pas qu'ils l'ont fait se transformer à chaque fois. Oh, une autre orbe. Et donc ce petit... C'est parti. Abracadabra. Bambi, si tu trouves d'autres, ramène-les-moi. Le monde aussi a disparu. Bon, en fait, après... C'est déprimante. Elle est déprimante, la bonne fée. Ouais, parce que elle veut pas libérer Jenny. Elle s'inquiète pour Cendrillon, son monde a disparu. C'est déprimante. Ok, bon bah voilà. Alors, moi, je viens de sauvegarder. Compagnon, vaisseau... On va voir Monstro, du coup. On va l'observer partir jusqu'à Agraba. Pour faire le trajet jusqu'à la zone suivante. Hyperespace. Au moins que tu vas y aller faire. Faire quoi? Halloween. Ça va risque d'être un peu compliqué. Non, mais vu que c'est un niveau supérieur, je pense qu'on va. On va y aller doucement. On va y aller étoile par étoile. Bah moi j'ai un coup de barre, ouais, un petit peu en quelque sorte. Ah mais ça va un peu mieux tout à l'heure, mais coup de barre quand même. Ouais, coup de barre quand même. Un truc d'hyperespace. Ah mais c'est pas... Faut pas que je le prenne. Les tirs qui passent à travers, quoi. C'est tellement frustrant, tu sais pas où tu tires, tu sais pas où ça va, c'est... Ah, je l'aime pas du tout, leur système de visée. Ça s'est amélioré sur les suivants. Ah bah heureusement, il y a intérêt. D'ailleurs, le plus réussi, c'est Bird by Sleep, par rapport à ça. Bien réussi, là. Même si les drop distance, c'était pas si mauvais que ça, les... Ah mais c'est déplacement en hauteur, tu faisais des dégâts, tu sautais de haut, non? Oui c'est ça, tu sautais... et t'avais des boss et tout, c'est pas mal. En dream drop distance. Je sais pas trop quelle était la mission qu'il fallait que je fasse pour ce niveau-là, mais... J'ai la flemme. Je comprends. On dirait des Oogie Boogie. De très loin. De très loin. De très loin, aveugle dans le noir.
J'espérais pouvoir faire le truc avec les cartes rouges, mais en fait, ça sert à rien. Non, les rouges, je crois que... Si, si, je pense qu'on peut les faire. Ouais, mais difficilement. Comme ça vise très mal, ce machin. Et je pense qu'il faut changer ton système de visée, en fait. Enfin, l'arme, que tu veux. Tu peux avoir des trucs qui lancent des missiles et tout, quoi. On sait tous deux que ça n'arrivera pas. C'est pas parti pour que ça arrive, en tout cas. Oula, 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 mais ils sont solides, ces machins. Ouais, ils sont solides. Fais attention, sois prudent. Il te faudra une épée pour aller plus loin. Crash Bandicoot, de croix, Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, il y a quand même des problèmes de plateforme, hein, aussi, d'environnement. Puis ces zones de vide, là... Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas, mais c'est énorme. D'ailleurs, c'est pas une baleine. C'est Tartine ! Ah non, désolé. Tendance à... baleine ! Une baleine géante ! C'est même pas une baleine. C'est monstro ! C'est le roi des baleines, il était très agressif. Quack ! Sora ! Esquive-le ! Bah là, il vient de se boucher le nez pour essayer de faire la voix. Bon, on va se faire bouffer, on le sait tous. Une baleine qui a les dents, quoi. Il va nous avaler. Heureusement que les munitions sont limitées, ouais. Sinon, la catastrophe. C'est vrai, je l'ai vu de mes yeux vus. C'est sûr que tu l'as pas seulement entendu. Qu'est-ce que ça change? Je te dis qu'il y a un monstre énorme ici. D'accord, admettons qu'il y ait vraiment un monstre. Tu penses qu'on peut le vaincre seul? Pas de problème, à l'attaque. Écoute, là, tu entends son grognement. Chut, tais-toi. Il vaut mieux être prudent. Tu vois, ce n'était que le vent qui soufflait. Dommage, j'aurais voulu que ce soit un monstre. Attends, c'est quoi par là ? On dirait une porte. Elle ne s'ouvre pas. Je pensais que ce serait plus intéressant. Tu t'attendais à quoi dans un endroit aussi nul ? Hé, Sora ! Ouais ? Quand on sera grand, on quittera cette île, d'accord ? On vivra une vraie aventure, pas un truc de gamin. J'ai pas eu le temps. D'accord, mais vraiment, tu connais la fille dans la maison du maire ? T'es pas au courant ? J'ai loupé une phrase. Pas grave. Hey, Sora, are you okay? What are you guys doing? Where are we anyway? Whoa! Oh, you know, I think that big old whale Monstro just swallowed us. And for today's weather, expect showers. Oh, heavy showers. Ow! Who's there? It's me. Oh, it's just Pinocchio. Pinocchio? Pinocchio? Pinocchio, where are you going? Pinocchio! Come on, everybody, after him, quick! C'est quoi, là, ces gamins qui n'écoutent rien? Par contre, le logo était très sympa. Ouais. Avec l'œil et tout. Je suis d'accord. Hop, là, me revoilà dans le noir. Ou presque. Cette fois-ci, j'essaie de penser à remettre la caméra. Alors, dans cette première zone, il y a plusieurs coffres. Une marque... Ça, tu veux pas essayer de sauter, Sora ? Une marque verte et une marque bleue. Et il y a... 5 coffres. What have you got there, Pinocchio? With this, we can get out of here, father. Really? With this big block, you think so? It's true. So, how did you end up here, Pinocchio?
Oh my, so the whale swallowed all of you too? My goodness. Yeah, looks like it. My name is Geppetto. I'm Pinocchio's father. When we got separated, I traveled all over looking for him. Thank goodness we're together again. So, you seem to know Pinocchio quite well. I hope he was a good boy in my absence. Well, we've all had quite a journey, right, Pinocchio? Pinocchio! Voilà, encore un gosse, il coûte rien. Irresponsable les gosses de nos jours, hein, qu'on se dise. Je lui avais dit de ne pas s'éloigner d'ici. Quel garnement! Mais il compte beaucoup pour moi. C'est envie de réessayer de faire du de Disney Peak Mickey. Alors il y a des coffres, plusieurs coffres. Je sens que ça va être chaud. Je suis pas sûr que tu peux pas y aller. Faudrait pouvoir remonter la passerelle, la planche qui est juste en dessous. Effectivement. Là c'est pareil à l'autre plan. La musique est pas dégueulasse. J'ai l'impression que je vais pas pouvoir récupérer grand chose pour l'instant dans cette zone-ci. Non, je crois pas non plus. Bon bah allons voir plus loin. Hein. Je crois qu'il y a un coffre dans la maison de Geppetto ou à côté, non? On n'a pas vu un. Peut-être sur le toit, allons voir. Et sur le toit, il y a une marque verte. Dans la maison de Geppetto. Il y a le truc d'Emmy, mais en dehors de ouais, ça. C'est peut-être en dessous. Là ou au-dessus, en dessous. Il y a un truc dans le coin. Ça là. Me semble chaud pour que ce soit au-dessus. C'est pas au-dessus de ça, bon. Non, peut-être plus tard. Mais... Pour l'instant, je vois rien sur le toit. On ou voit ailleurs. Rien non plus. Bon, on va attendre, on va avancer. Ouais. Quelqu'un compris le coup de Donald Proxénète? Non. Quoi? Absolument pas. Oui, Isa, même si c'est un proxénète, Donald Proxénète, j'ai pas compris. Pas compris non plus. Donald, c'est un Mac. McDonald. What are you doing? Come on, let's go back. You know, Geppetto's awfully worried about you. Pinocchio, stop fooling around. This is no time for games. But Sora, I thought you liked games. Or are you too cool to play them now that you have the Keyblade? Riku? What are you doing here? Just playing with Pinocchio. You know what I mean. What about Kairi? Did you find her? Maybe. Catch us. And maybe I'll tell you what I know. Oh, come on! C'est un kidnappeur! Exactement. Come on! On sent quand même qu'on a changé de niveau et qu'on est moins puissant. Je sais pas trop de quel côté partir et j'ai l'impression que les ennemis vont arriver à l'infini. Bon, je annonce qu'on fait. C'est vraiment la dernière soirée, il reste à peu près 10 minutes de vidéo. Parce que oui. Je vois que Celt by plus. Oui. Et je pense que j'irai terminer de monter une vidéo. Après, si j'y arrive. J'ai pris devant 3 arbres, on va bien voir. Oh, on est tombé dans un truc. Come on!
sais pas dans quoi je tape, mais je tape. Ah, c'est un dubide. Mais c'est pas lui qu'il faut taper, mais... Oh putain, il y en a plusieurs en plus. Le truc est bloqué devant l'entrée. Puis j'aime pas spécialement ce niveau en plus. Non. Je trouve qu'il est pas spécialement agréable à visiter. C'est un vrai labyrinthe et Et du coup on sait pas toujours où passer, comment passer, ou ce genre de choses donc Ouvre le coffre peut-être. Ouais, maintenant que tu le dis, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Ah, encore un pavillon. Apparemment, je m'assomme. Dans son ventre. Non, tombe pas, tombe. C'est agaçant, c'est un système de gestion de plateforme dégueulasse, encore une fois. Véritable labyrinthe. Et voilà, je crois que cette fois-ci, on l'a cassé. Je peux toujours pas ouvrir le coffre, il est où le dernier? Il y en a encore un. Sérieux, j'ai horreur de ces jeux où on se retrouve avec des tonnes d'ennemis tout le temps. Autant tu, il y en a d'autres qui arrivent encore et encore. Et c'est exactement les mêmes. Alors tout ce que tu veux toi, c'est pouvoir ouvrir ton coffre. Pas trop le choix, je voulais passer par là. Encore. On n'est pas obligé de les tuer hein, ces personnages là, mais je les tue parce que XP. Si on fait pas un minimum de level up, on n'y arrive pas. Putain, c'est bizarre. Hein. Ok. Il ne restera plus 80 points de sauvegarde et on va pouvoir s'arrêter pour ce soir. Je sais que c'est un peu tôt, mais bon. Ah, oh, je suis parti en Vincent, je sais même pas ce que c'était. C'est là d'où je viens, bien sûr. Qui finit pendu dans l'œuvre originale à cause des crasses qu'il a commises. Je crois même plus. Mais c'est pareil. Entre deux. C'est là qu'on avait commencé, puis on avait glissé, je crois, à cause des méchants. Oui. Non. Non. Il y en a marre de ça. Faut que tu l'enlèves dans tes compétences. Je crois que c'est une blague. Ça va être la glissade, mais même, oui. C'est lourd, quoi. Ça devrait pas être un problème, ça, normalement. Le jeu aurait dû être capable de repérer les rebords et ne pas te pousser hors d'une zone d'action. Mmh. On va continuer par là, un ventre 5. Toujours cash, Red. Tant que celle qui n'est pas partie, on restera sur du cash. C'est de ma faute. Il y a juste vendredi soir où on fera du UT 2004, mais Israël ne sera plus là, elle sera rentrée ouais, chez elle. J'ai prévu le week-end prochain pour me reposer. Ah bon?
pour dormir. Ça veut dire que je l'épuise, retenez-le. Non, c'est que je suis crevé déjà avant. Et c'est que je dors mal, surtout quand je suis pas chez moi. Oui, tu seras chez toi. J'ai un très bon lit, Ami. Dans mon chez moi, très très bon. Donc conclusion, elle est en train de sous-entendre que mon lit est mauvais. Comment détourner toutes les paroles. Le matelas est beaucoup plus récent que celui que tu as ici, donc il est forcément plus confortable. Ouais, il est pas super vieux, je crois, celui-là, maintenant. Bien, je l'ai acheté en septembre. Bah, il a quoi? Il a peut-être 3-4 ans de plus, ce matelas qui est ici. Je sais pas, en fait, je trouve qu'il est super vieux. Peut-être de Mathusalem. Enfin, il a pas l'air d'être trop vieux, parce qu'il est confortable, quand même. Il n'est pas devenu dur ou plein de ressorts. Montre si c'est par là. Tiens, comme c'est original, encore des ennemis. Bon, en même temps, faut que j'arrête de me plaindre, c'est cash. Hein. Je sais pas où qui je tape, mais je tape. Et tu tapes, 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 ce bestiau qui te plaît pas. Celle qui est au bout du rouleau. Ah, grave. Je vous dis qu'il y en avait trop pris, mais... Comme personne ne m'écoute quand je parle. Si tout le monde est mouru, je peux ouvrir. Ah, je suis dans le ventre 7, je crois, ou 6. Ouais, si tu peux remonter. Là, je viens de récupérer le coffre qui était au fond. Il y a une sortie sur ma gauche. Et face à moi, ça tombe. Donc j'ai évité de tomber. Alors, ouais. Non, ça prend plutôt la sortie qui est là. Ventre 5 à nouveau. Ouais. Et là, il va falloir passer tout droit. Ventre 4. Mais je vous dis, c'est un labyrinthe des plus complets, ce niveau. Ah, ça y est. Voilà. Je t'ai mené au plus vite, c'est au boss. Je te remercie. Et tu vas avoir un truc de sauvegarde à cet endroit-là. Ok. Bonne nuit, Tirac. Fais de beaux rêves. Bon courage pour demain et pour ton entretien en espérant que ça se passera bien. Merci beaucoup d'être passé. À la prochaine. Salut. Salut. Non, effectivement, vous ne pouvez pas connaître les véritables histoires de Disney. C'est déprimant. Oui, Riku, c'est clair. What's the matter with you? What are you thinking? Don't you realize what you're doing? I was about to ask you the same thing, Sora. You only seem interested in running around and showing off that keyblade these days. Je trouve pas changé d'ailleurs la keyblade. Want to save Kairi? I do. J'en ai pas eu une à la fin d'Agrabah. Si, si, on en a une. C'est pas mal de la changer. À l'occasion. Pinocchio est-il une princesse Disney? Primitive. Ah bah ouais. Clairement. Puis elle est plus jolie en plus. Oui, en plus. C'est une sauvegarde. Ouais, et comme je vous dis, on va s'arrêter ici pour ce soir. Je vois celle qui commence à tirer, qu'elle se dit « Enfin !» Je vais pouvoir aller me coucher, dit-elle. Du coup... On va s'arrêter ici pour cette vidéo, mais pour ce live aussi, même si c'est assez tôt. On se retrouvera genre, forcément demain, j'imagine. Oui. Hein, dans l'après-midi, on verra. Sûrement pas la matinée, le temps que je fasse tout ce que j'ai à faire, mais... l'après-midi, sûrement. On verra bien. Bref, comme d'hab. En attendant, un grand merci à vous tous, en particulier merci à Celt. De rien, merci on à va toi. Pas refaire la liste de l'ensemble. Merci à toi, merci à vous, et puis, comme je vous dis, on se retrouve dès demain pour la suite des aventures. Pensez positif, n'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstjeux.fr ou sur mon blog itisand3.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Salut, on va mettre la caméra pour être abonné. Bonne nuit, coucou, salut, voilà, il y avait la main de 7. Salut, salut.